Ok les gars, ça y est les gars, on y est. Oh mec, c'est extrêmement stylé déjà hein, pour commencer. C'est extrêmement stylé dans le soleil, attention, on y va, on Ah, y a un saute. jump. C'est bon, j'y suis. Vas-y, viens, te loupe pas. Hein. Là, Attends, tu attends, tombes attends. gros. Ouais, vas-y, Attends, on fait un j'avoue. escalier, on fait un escalier. Waouh, wow, mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Il y a un jump de malade là. Yo tout le monde, c'est la production, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le dernier épisode de cette fameuse série Survivre sur des planètes géantes et on est toujours avec Dutch, salut mec ça va? Salut mec, ça va? Bah moi ça Très va, bien. alors écoute depuis le temps je vois que le blé a bien poussé quand même là, je viens de remarquer ça, notre petit champ de blé a bien avancé, C'est vrai, enfin. c'est plutôt sympa, Enfin, alors je vais we are faire... happy. Voilà, bah j'ai pas de poule, super. En tout cas, les amis, on se retrouve sûrement pour le dernier épisode du coup de cette série. Alors, comme j'avais déjà expliqué dans les précédents épisodes, ça sera peut-être pas le dernier. Si jamais. Non, déjà. Si jamais on prend une autre map dans le marché où il y a aussi des planètes, je sais que ça existe. Bah, du coup, on continuera la série sur une nouvelle map. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le gros soleil qui était juste là-bas. Du coup, c'est la dernière planète. Enfin, la planète, c'est pas vraiment une planète, même si en soi, si c'est une planète. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit peu particulier comme planète vu que c'est le soleil. Voilà, donc on verra. À l'intérieur, il y a un trou. Donc, qu'est-ce qu'on va y trouver? Moi, je sais, enfin, je crois savoir ce qu'il y a. Je crois qu'il y a un portail de l'Ender. Voilà, parce qu'en fait, sur les images de présentation de la map, vous avez une image qui montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du coup du soleil. Et il y a un. Portail de l'Ender, donc on va peut-être les amis battre l'Ender Dragon aujourd'hui et donc terminer cette aventure, ça va être vraiment très Eh très bien, très stylé. go avancer le chemin, hein, parce qu'on n'est même pas arrivé à la planète de sable, je crois. Bah c'est vrai, hein, c'est vrai qu'on n'est même pas arrivé à la planète de ça. Franchement les gars, on est loin d'avoir terminé, donc c'est pour ça qu'on va essayer de bien avancer dans ce dernier épisode. Allez, on y va, donc moi je sais que j'ai pas mal de terre sur moi, voilà, j'ai deux stocks, parfait. Donc ça va nous permettre du coup d'avancer un petit peu plus vite. Parce qu'en fait la terre ça se prend beaucoup plus vite que la pierre, donc ce sera beaucoup plus simple. Aussi j'y pense, on avait fait un Non, il y portail a du le béton Nether. aussi. Hein. De quoi? Le béton aussi c'est pas mal, ouais. Ah oui, oui, ça va dans le dernier épisode. Ouais, on avait fait un portail du Nether, mais bon, il était pas très utile, puisqu'en fait on était juste allé voir s'il y avait des planètes ou pas aussi dans le Nether, mais bon, les mecs ont rien Pareil. fait. Pardon, excuse-moi. Les mecs ont rien fait, du coup, bah voilà, ça sert à rien d'y aller. Et par contre, les amis, alors là, regardez-moi ça quand même, les gars, là-bas, le soleil, hein. C'est quand même assez incroyable pour ceux qui n'avaient pas vu les anciens épisodes. Franchement, allez voir, parce qu'il y avait vraiment des trucs sympas qu'on avait fait. Mais là, du coup, on va aller voir d'abord la planète de sable, qui est juste à notre droite. Tac, on va venir par là. Alors ça, on va prendre la petite émeraude ici. Ça peut toujours servir. Alors, est-ce qu'on prend d'abord le coffre là-bas ou est-ce qu'on prend d'abord le coffre là-bas? On va d'abord aller chercher celui qui est là-bas. Tac. Alors par contre, c'est vrai que ce qu'on peut quand même reprocher à la map, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de minerais. Hein. Ça, c'est pas, ils ont pas été très sympas sur ça. On a eu un peu de fer à un Peut-être moment. aussi, genre je sais que peut-être les astéroïdes, etc. Mais genre en vrai, genre je trouve les astéroïdes, genre non, trop redondants. Ouais, les Genre peut-être astéroïdes, c'est fusionner pareil, il y un peu la a tout le forme temps de la même chose. l'astéroïde ou alors je sais pas, mettre d'autres couleurs. Ouais, Ça aurait été c'est vrai, c'est plus vrai. pratique, un peu plus convivial. Oula, attends, je suis en train de tomber. Très bien. Alors, j'ai trouvé deux diamants, un œuf de cheval, une selle, du steak, un œuf de vache et encore un steak. C'est cool ça. Deux Un diamants, œuf c'est de cool. cheval. Ouais, un œuf de cheval. Mais en vrai, mec, les chevaux, ça sert à rien. Hein. Je veux pas être méchant, mais bon, voilà quoi. Non, ça sert à rien, c'est pour le fun quoi, c'est bon. C'est histoire de Amuse dire la que tu peux avoir galerie. un cheval, quoi. Ouais, c'est pour améliorer la galerie. Mais c'est vrai que c'est pas super utile, quoi. Franchement, je vous avoue que, ouais, c'est pas le truc qui est le plus recherché, quoi, en tout cas. J'avoue mec, c'est trop chiant les coffres là, genre tu cherches là sur une île, tu sais, tu fais un déplacement de fou pour une île et là tu vois y'a Ouais, rien en quoi. fait, t'as rien du tout. Alors, mec, moi, je suis pas très loin de la palette de sable là où je suis. Donc, si ça t'intéresse, on pourrait essayer du passer par par là. Enfin, de passer par là où je suis pour aller sur la planète de sable. Ça pourrait être sympa. Tac, le petit coffre ici. Encore deux pommes, des œufs et encore un diamant. C'est super Ah mais cool. y a pas de sable. Oh non. Quoi? Ah si, y en a. Si, il y a du sable, il y a Y a du beaucoup sable, de plantes. mais Y a pas mal c'est de vrai que c'est plantes. assez limité quand même. Je Ouais, sais bah il y pas a pas qui mal veut de des bois. planches mais ça me passe. Mais en fait, de loin, on Moi qui voyait vais pas, arriver en mais premier. bah c'est moi qui y Je vois. arrivais. Voilà, ça y est, j'ai touché la planète. C'est moi le premier à conquérir cette planète. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette planète? On a du cactus, on a un lama. Ah le soleil. Putain, c'est beau, hein. N'empêche, ça fait quand même plaisir de venir là. Ah mec, en fait, il y a des lamas. C'est génial, il y a plein de lamas. Alors à quoi ça sert, je sais pas. Ah, il y a aussi un creeper. Ouh là là, attends, on va essayer de pas l'exploser tout de suite, le pauvre. Pourquoi il y a plein de lamas, mec? C'est trop drôle. Pourquoi ils ont mis des lamas partout, les mecs? Ils ont pété un câble. C'est marrant. Ça fait un peu de compagnie. Ouh là, mec, t'aurais jamais dû faire ça, il va te cracher dessus. Oh, regarde, il t'a craché dessus, je suis mort. C'est tellement drôle, n'empêche ça, quand il te crache dessus, là. C'est n'importe quoi. Et du coup, les gars, là-bas, on a ça. Alors, est-ce qu'on arrive à voir un petit peu ce qu'il y a dedans ou pas? Ou pas encore? Ah, Ah, moi, il y je a vois de de la la lave, hein. lave. Ouais. Il y a une petite coulée de lave. Bon, en même temps, gros, c'est Voilà. le soleil, hein.
C'est un peu logique qu'il y ait de la lave dedans. Attends. Quoi? Je vois plein de lave là apparaître. Oula, mais t'as encore le bug, je crois. Je vois de la lave. Ah oui, j'avoue, mais en fait, le soleil, en fait, il est fait en lave, je crois. C'est ça que tu veux dire? C'est pas jaune, en fait, c'est de la lave. Ouais, c'est ça, en fait, c'est pas du jaune, c'est de la lave, en fait, dessus. Ah, oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire, oui. Effectivement, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de lave. Alors, attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais prendre du vert jaune. Vert jaune et lave. Ouais, c'est du vert jaune avec de la lave derrière, et du coup, ça fait cette genre de grosse boule. On perd pas le temps, hein, on perd pas de temps. Allez, on y va. Hein. Mais de toute façon, avant de rentrer dans le portail de Ender, on devra aller retourner à la maison pour prendre nos stuff, etc. Si on a peut-être encore du diamant à prendre ou quoi. Prends un peu de sable, comme ça, pour vraiment la maison, on aura des fenêtres et tout. Tu vois. Ah oui, ouais, je vais prendre. Un petit accomplissement. C'est vrai que pour terminer, on pourrait au moins. Ouais, c'est vrai. On pourrait au moins essayer de terminer la maison. Je pense que ça pourrait être sympa. Avec 2-3 petites fenêtres. On dirait qu'on est en bull battle, tu sais. On voit des petites fenêtres. Il en faut 13-14, ouais, je dirais. Bah écoute, j'en prends une bonne vingtaine et puis comme ça au moins on est bon. Ouais, voilà, une vingtaine, c'est bon, mec, large, on est là. C'est largement suffisant. Ok, nickel, les gars. Donc ce qu'on va faire, on va aller avec Dutch, on va aller voir ce qu'il y a dans ce fameux soleil. Je vous avoue que j'ai très très hâte de voir ce qu'il y a. Mais comme j'ai dit, je pense que c'est vraiment un genre de long chemin vers le portail. Mais ça serait incroyable en tout cas si j'aimais ça. Les amis, ça y est, on y est là. Hein. Là, vraiment, c'est le moment tant attendu. On va enfin aller voir ce qu'il y a dans ce foutu soleil. Voilà, on fait vraiment... Et ça va, là-haut. Attends, voilà, c'est bon. Pose un bloc. Ok, les gars, ça y est, les gars, on y est. Oh mec, c'est extrêmement stylé, déjà, hein, pour commencer. C'est extrêmement stylé dans le soleil. Attention, on y va. On saute. C'est bon, j'y suis. Vas-y, viens, te loupe pas. Hein. Attends, là, tu tombes, gros. Ouais, vas-y, j'avoue. On fait un escalier. Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ça, mec? Il y a un jump de malade, là. Waouh, mais attends, c'est énorme. Ça mène où, ça? Est-ce qu'on chercherait pas d'abord le stuff avant de continuer? Vas-y. Ça, on a fait le chemin là. Vas-y, j'avoue. En vrai, là, les gars, bah, voilà. Avant d'y aller, on va aller reprendre du stuff. Donc, c'est pour ça, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Là, on va juste aller chercher notre stuff rapidement. Et puis, une fois que c'est bon, bah écoutez. Je peux te dire, là, l'Ender, on va se le faire. Et là, l'Ender au Dragon. Imagine dans l'Ender, ils ont fait. Vu que c'est prévu qu'on y aille, imagine, ils ont fait des planètes aussi. Genre, imagine, tu te bats contre l'Ender sur une planète. Ça serait incroyable, hein. Bon, après, j'y crois pas trop parce que. C'est incroyable. J'y crois pas trop parce que ça me paraît un peu compliqué. Après, le Nether, tu vois, c'était sûr qu'ils allaient pas faire ça parce que le Nether, c'était pas prévu qu'on y aille. Y a pas de gravier dans la map, enfin, je crois pas. Le Nether, je sais pas, ça aurait été un peu moche. Bah, remarque, le Nether, en fait, tu peux y aller si jamais tu prends un saut de lave depuis le soleil et que tu construis le portail à la main. Ouais, imagine maintenant, genre, au début, t'es sur. Enfin, genre, t'as le biome, enfin, genre, t'as le décor de la Terre, ensuite, t'as le décor de l'Ender, du Nether et tout. T'as plein de planètes, comme ça, ça s'enchaîne. Avec bien évidemment des autres choses que des astéroïdes. Parce que bon, les astéroïdes, il y aura un moment. Ouais. Mais franchement, ouais, j'avoue que si dans Minecraft tu aurais ça, mais genre vraiment, genre tu peux vraiment monter dans l'espace et t'as ça, ça serait incroyable. Ce serait vraiment incroyable. Mec, ce serait incroyable, je. Tu sais, genre ils font une mise à jour de l'espace. Genre sans forcément rajouter des fusils, des trucs comme ça, mais tu sais, genre juste, je sais pas, genre tu peux monter avec des blocs. Et en haut, t'as des planètes, quoi. Ce serait vraiment, vraiment. Ouais, la Terre. Franchement, la Terre, hein, je suis désolé. Hein. Franchement, c'est la plus belle planète. Hein. Je veux dire, là, tu ferais comme ça. Là, c'est tout. Bon, même s'il y a des cascades d'eau un peu bizarres. Genre, c'est la... Mais les cascades d'eau, c'est à cause de la glace qui a fondu vu qu'on a mis le jour. Voilà, parfait. On retrouve notre petite maison, les amis, avec le blé qui a encore poussé. En fait, je crois qu'on l'a pas récupéré le blé avant. Grosse erreur, ça. Grosse erreur de ne pas avoir récupéré le blé. Aïe, 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 mais quelle erreur, les amis. Tac, voilà, parfait. Bon, on va le replanter, même si en soi, les amis, on en a plus vraiment besoin. Vu que normalement c'est la fin de la map juste après. T'imagines en fait c'est pas la fin, il y a encore une autre partie et tout derrière. Ouais. Et en fait je me suis fait totalement troller. Tu sais genre les mecs ils sont là, ouais les gars c'est la fin de la map alors qu'en fait pas du tout. Après il y a encore d'autres planètes et tout, ça serait vraiment fou. Hein. Ouais, mais bon je ne pense pas que ce soit ça. Si on avait eu deux fers en plus on aurait pu faire des sonos. Ah, tu sais que grâce aux sonos toi tu vas pouvoir peut-être monter tout en haut sur les tours et tout. Ah oui, j'avoue, alors attends, faut que je réfléchisse à ça aussi. Je fasse une pioche. Hein. Est-ce que je fais des casques, des jambières, des bottes, je fais quoi? Un casque peut-être. Jambière, c'est le plus résistant. Jambière, allez, du coup je fais deux jambières. Ah mais non, attends, je peux en faire qu'une, mince. Je peux en faire qu'une. Bah je fais une jambière et un casque. Voilà, trop tard, c'est fait. On dit que je suis en créatif et je fais des petites jambières. Non, moi l'armure, je la respecte, Dutch. Enfin moi, je te dis, on se give juste un arc. Okay. C'est déjà pas mal, en vrai. Ok. C'est déjà pas mal du tout. Moi je pense que là on est bon hein. Bah moi aussi je pense qu'on est bon, j'ai un diamant. Les vitres à cuire, donc c'est un peu honteux. Ah oui mince les vitres, pardon chef. Pardon. Honteux mec. Bah attends, je vais... Tu sais quoi, on attend vite fait que le sable chauffe, comme ça on se fait 2-3 vitres. Et une fois que c'est fait, on va faire le nerf dragon.
Mec, ouais. mec, Quoi? Oula, tu me fais peur là. Je vais te montrer un truc et tu vas me dire, tu vas, on va voir si t'arrives à comprendre, ok? Ok. Attends, je vais juste poser mes vaches là, et après j'arrive. Tac, 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 tain, c'est un bordel là. Tac, 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 voilà, parfait, nickel. Il y a tellement d'animaux, par contre c'est un délire là, on peut se faire un barbecue géant. Alors vas-y, montre-moi. Tu veux me montrer quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a un œuf? Et ça? Mais non. Mais qu'est-ce que t'as? Ce truc là. Un mouton? Quelque chose qui permet de faire quelque chose. Un mouton? Ouais. Ouais. Oui, bah alors. Ah, je comprends pas où tu veux en venir. Tu veux faire de la laine? Tu veux faire du fil? Oui, avec la laine. Avec la laine, on fait du fil. Un lit, un lit, un lit. Ah oui, un lit. Des lits. Ah oui! Sauter le dragon, mec. Ah oui! Oui, 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 oui! On a 5 laines. On a 5 ah, laines, c'est on a pas con! Mec, faut faire des lits, faut faire des lits. Mais faut faire une shape là, faut faire une cisaille. Bah attends, je vais déjà tondre les 3 qu'on a là. 1, 2, 3. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tondu un mouton sur Minecraft, mec, c'est incroyable. Hein. Vraiment, là, j'ai du mal à y croire, tellement c'est beau. Oh là, la maison elle est finie là. Bah, what? Mais attends, mec, ça. Mais attends, sa laine elle a déjà repoussé instant. Ok, oui, très bien. C'est quand il grignote le sol. Quand il grignote le sol. Ah, boum. Ça repousse instant, mais c'est n'importe quoi. Je peux faire sur les petits, je crois. Ah bon? Les petits aussi, je crois que ça marche. Attends, je vais essayer. On en gagne qu'un seul, je crois. Non, ça marche pas sur les petits. Ah non, on peut pas. Non, bah non, ça me paraît logique. Ils vont brouter là dans un instant, là, les moutons. Allez, brouter. Mais non, vraiment, je l'ai tondu, il a rebrouté direct, quoi. Genre instant. Et ils sont en train de bouffer toutes les herbes là. Ouais, mais c'est le bébé qui bouffe là. Mais arrête de bouffer! Mais c'est quoi ce morphal? Mais regarde, il fait que manger. Mais je pense que c'est parce qu'il va grandir justement, du coup il est en train de manger. Mais non, mais c'est parce qu'il veut grandir. Regarde comment il mange, mec. Mais arrête de manger, frérot. Ah, c'est bon. Et j'ai de la laine, il y en a un qui a mangé. Mais en fait, mec, ça repousse super vite la laine. Mais c'est incroyable comme ça repousse vite, j'avais déjà remarqué, je connaissais pas moi. Ça repousse super vite la laine. C'est un truc de malade. Les petits plaisirs de la vie avec Minecraft. Ok les amis, c'est bon, on est devant le soleil. On va enfin faire le petit jump pour aller voir ce qui s'y cache. Dodge, je te laisse me suivre, mon petit pote. Alors là, mec, c'est parti. Tu rencontres là, mec, toutes ces heures de farm. What? Ok, j'ai cru que j'étais en train de m'envoler, j'ai eu peur. C'est bon. J'avais vraiment l'impression d'être genre surélevé. Toi aussi ou pas? J'avais l'impression vraiment d'être... C'est bizarre. Attends. C'est bizarre ça. Ah ouais, regarde, t'as vu, je suis... What? Hein? Ma vie, en fait, c'est... Monte. Moi aussi? Plus grand. Mais moi aussi, j'ai l'impression d'être géant. Quoi? Il se passe quoi? Oula! Attends, mais à mon avis, c'est peut-être un rapport avec la map, hein, tu vois? Je sais pas. Ça se trouve, il y a un truc secret où genre on va être géant, je sais pas. Attends, avançons, ne perdons pas de temps. Ah, j'ai vu le portail déjà. Voilà, mec, tu vois, c'est un portail. Oh, c'est stylé, hein. Là, t'es vraiment au cœur du soleil. Alors, il manque combien d'œils? 1, 2, 3, 4, 5. Aïe, 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 aïe. Alors, j'en ai déjà 2 sur moi. On va déjà pouvoir les mettre. Voilà, pour commencer. 1, 2. Et pour pas devoir farmer trop longtemps, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se les giver. Voilà. Parce qu'on va pas non plus aller farmer des Enderman. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, il fallait que ça tombe en maintenant. On va pas faire durer plus longtemps le suspense. Je veux dire, bon. Oui, voilà, clairement. Je pense que même vous, devant la vidéo, vous avez juste envie de qu'on aille dans l'Ender et qu'on voit un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je pense qu'on est tous d'accord pour se les giver. Et attention, 3, 2, 1, let's go. Je saute. Ok, c'est bon, on y est. Oh, purée, alors, c'est magnifique. Oh purée les gars, on est sur une planète là? What? On est dans la planète je crois. Non t'es mec, non en fait les gars, non je pense pas. À mon avis les gars, c'est un Ender classique mais bon. Juste pour le principe, on va essayer de battre le dragon. Allez, je vais me faire buter. Il y en a trois derrière moi mec, c'est une honte hein. Clairement c'est une honte les amis. Allez, mourez. Ça va aller, ça fait partie du jeu Dutch. Ça fait partie du jeu, c'est bon. Allez, en moins... Bon vas-y viens, on continue à essayer de shooter les trucs là. J'essaie de monter avec l'Ender par le quai, t'es prêt? C'est bon, c'est lancé. Oh non, je crois que je me suis loupé. Quoique. Oh! Très beau lancé ça, mesdames et messieurs. Et là par contre, quand je vais casser, ça va m'éjecter je crois, non Dutch? Quand je vais le casser. Faut que je fasse gaffe hein. Ouais. Non? Ça va t'éjecter. Mais je vais mourir non? Ou ah, je vais avoir le temps de retomber dans l'eau? Plus une autre vidéo d'Ender Dragon là ou quoi? Mais si, mais j'ai peur là. Quand on l'avait tenté avec l'armure en cuir et tout. Oh.
Mais mec, mais non. Mais c'est incroyable. J'avais juste à retomber dans l'eau et je retombe où? Je retombe sur le bloc de truc. Non, mais c'est n'importe quoi. Ok, bon. On va faire comme si on n'avait rien vu. C'est vraiment honteux. J'avoue que c'est vraiment une honte, mec. C'est vraiment une honte. Vas-y. C'est nul. Tombe pas. Non. Non. Oh, j'ai failli mettre tout en dessous de tes pieds pour pas que tu meurs. C'est bon, j'ai le dernier tour. Ok. Voilà, c'est bon, c'est fait. Là, je fais mal de dégâts. Là, je l'enchaîne. Là, je l'enchaîne, c'est mort. Ok, nickel. Donc, je crois, les gars, que là, il y a vraiment. Bah là, en fait, pour les lits. Pour les lits, regarde, je vais te montrer. Tu prends un lit. Et genre, dès qu'il te fonce dessus, tu poses le lit et tu l'éclates. Enfin, tu dors dedans, quoi, en gros. Tu fais clic gauche pour dormir dedans. Genre maintenant, là. Attends. Ah bah non, pas maintenant. Ah ouais, ok. Vas-y, tape-le. Aïe. Mince, pas de bol. Pour Dutch. Oh, vite, dépêche-toi. Je vais mourir. Dépêche-toi. Oh, nice, ok. Vas-y. En vrai, c'est dur. En fait, les gars, ce qui est bizarre, c'est que là, on ne voit même plus sa barre de vie. Donc, du coup, wow, doucement, Lily, doucement. Ouais, bah oui, tu lui fais mal de dégâts là. Regarde, l'arc il fait 0 dégâts. Y'a un blême là. Mais en fait, je pense qu'en fait, les flèches en fait elles font 0 dégâts. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je vais me mettre en créatif. Je vais me mettre en créatif pour le terminer parce que là, les gars, je pense qu'il y a un gros bug. Alors, soit on est des clochards et dans les options on a mis un truc où les flèches elles font pas de dégâts. Non, mais je pense que c'est ça à mon avis. Ah bah, c'est bon, je l'ai eu. C'est bon, je l'ai tué. Ok, je l'ai fini. Bon, je l'ai fini en créatif, mais je l'ai bien fini, ok. Donc bah, je sais pas, il y avait même pas de barre de vie, les gars. C'était extrêmement bizarre. Le pire épisode de fin. Le pire épisode de fin, j'avoue que là, c'était quand même assez scandaleux. Hein. Donc voilà, en tout cas, j'espère sincèrement que ça vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà, nous, on a fini la map. Donc écoutez, si vous êtes chaud, laissez la blinde de pouces bleus. Si on arrive aux 2500 pouces bleus, je vous promets qu'on refait une aventure comme ça avec des planètes. Et on le fera sur une autre map. Donc voilà, ça peut être très sympa. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'est la production et Dutch. Ciao, ciao.